Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour de nouveaux messages dans cette nouvelle semaine. Nous entamons le mois de novembre. Nous sommes lundi 4 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très joli week-end. Eh bien, j'ai pris un autre oracle et cet oracle, c'est la fleur de vie. Je terminerai par le message de ton âme. Et avant de commencer, n'est-ce pas, la petite philosophie du matin. Et aujourd'hui, pour ce 4 novembre, de l'aide. Avoir l'humilité et le courage de demander de l'aide à ceux qui savent entendre. Voilà la petite pensée positive. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le pardon. Ah oui, le pardon, c'est l'énergie curative du pardon qui ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Alors, le pardon, vous allez me dire, oui, moi je ne sais pas pardonner, c'est pas facile. Eh bien, pardonner, ce n'est pas oublier, n'est-ce pas? Quand on pardonne, eh bien, on n'oublie pas l'événement, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Il devient simplement neutre. Mais en effet, oui, il reste une cicatrice visible. Mais elle ne fait pas mal. Et en pardonnant, on permet à la souffrance, aux souffrances que nous avons vécues, eh bien, de se décoller de cet épisode qu'on est en train de vivre ou que nous avons vécu. Bien souvent, eh bien, on dit que lorsqu'on pardonne, on cautionne. On peut tout à fait juger et condamner l'acte et choisir de pardonner. Le pardon est un pansement pour notre cœur, n'est-ce pas? Le pardon est un soin pour notre petit cœur, car faire le choix de pardonner, eh bien, c'est faire le choix de guérir son petit cœur. Nous avons toutes et tous vécu, eh bien, des événements qui nous ont blessés, que ce soit pendant notre petite enfance, dans l'adolescence, l'âge adulte. Et sur notre cœur, certaines de ces blessures, eh bien, sont toujours à vif actuellement. Il nous suffit de penser à telle personne ou de se remémorer telle date pour nous sentir, eh bien, submergés par la tristesse, la colère, la haine. Et le processus du pardon, eh bien, il va nous aider à nettoyer, à laver toutes ces blessures et surtout, surtout à les cicatriser. Alors certes, la cicatrice sera toujours visible, n'est-ce pas, sur notre petit cœur, mais elle deviendra indolore. Elle ne nous impactera plus. On pourra même la regarder avec tendresse. Donc, l'acte de pardonner est un mouvement libérateur pour nous. Le pardon, il faut pardonner pour guérir ce petit cœur. Et ce petit cœur est capable d'aimer pleinement. C'est pourquoi le pardon est un cadeau, n'est-ce pas?
que l'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres, pour continuer notre chemin ici sur terre. Le pardon, la fleur de vie, aujourd'hui, te met maintenant en relation avec la flamme violette du pardon, qui métamorphose tout. Tu deviens capable ainsi d'observer d'un œil bienveillant et compréhensif tout ce que tu rencontres sur le chemin de ta vie. L'énergie du pardon, eh bien, traverse ton petit cœur. Elle pénètre ton être tout entier. Tu es maintenant prête à pardonner de tout cœur à toi-même ainsi qu'à tous les êtres vivants. La flamme de l'enthousiasme pour ta vie s'embrase ainsi à nouveau en toi. Tes énergies créatrices reviennent en toi à la manière d'une énorme vague. Le pardon te libère. Il te fait pousser des ailes pour que tu puisses considérer ta vie comme une fête que tu célèbres. Tes pensées sont alors libres, oui, libres, et c'est ainsi, eh bien, que le bonheur et la joie de vivre pourront à nouveau s'installer en toi. Eh bien, ton défi aujourd'hui sera peut-être que ces derniers temps, tu es devenu un peu trop sévère envers toi-même au cours du chemin de ta vie, que tu ne parviens pas à te pardonner certaines de tes décisions et que c'est pour cette raison que tu t'es recroquevillé sur toi. La fleur du pardon te fait parvenir l'énergie délicate de l'indulgence. Elle brise ainsi l'attitude trop rigide que tu as adoptée envers toi-même. Elle te vient en aide dans le processus du pardon face à tes propres actions. Donc ici, la fleur de vie, eh bien, cette carte, c'est pour te pardonner. Parce qu'il faut, te pardonner des erreurs que tu as commises pour pouvoir avancer. Et dis-toi que les erreurs que tu as faites, eh bien, c'était juste un apprentissage. Ça t'a permis, tu as expérimenté, et bon, ben, ça n'a pas été bénéfique, donc pardonne-toi. C'est aussi important de se pardonner que de pardonner aux autres. Donc le pardon, c'est vaste, n'est-ce pas? C'est pardonner aux autres et se pardonner à soi. Quel beau message pour entamer ce mois de novembre et pour entamer cette semaine. Et je termine avec message de ton âme. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Beau message aussi de ton âme, n'est-ce pas? Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.